Dans la courbe, pas de souci. Et puis. Moi aussi, je suis dans la courbe. Une fatigue. Et bonjour! Moi, le chaudron! Allez, mon chat! Pas vous! Mes fils! Ma fille adorée, mon chat! Non, comment? Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus! J'espère que vous allez bien, si tout va bien, nous sommes aujourd'hui mardi, il fait très beau, ce matin c'était un peu nuageux, mais là il fait super beau, grand ciel bleu, grand soleil, ça fait trop du bien. Là franchement nous en ce moment on a des journées, mais ça fait trop plaisir. Donc nous sommes mardi, alors je vous prends seulement maintenant, on vient de terminer de manger, je vous ai pas montré le repas parce qu'on a fini les lasagnes qu'on avait fait hier avec Romy. On les a toutes finies avec Doudou. Les filles sont à la cantine à midi et ce matin j'étais en vadrouille. Donc je suis rentrée du boulot, c'était quelle heure c'était, 7h30 à peu près, ouais 7h40 parce que j'avais un petit peu de, je suis partie un petit peu plus tard et j'ai emmené les filles à l'école. Après il y a l'infirmière qui est passée, très bonne nouvelle, on a pu encore enlever un point. En fait il y avait un, ça s'était rouvert à un endroit et en fait elle a pu retirer le point. Donc ça va se refermer maintenant. Maintenant que le point a été enlevé, il n'y aura plus du tout de soucis. Bon elle a vu mon ventre qui était vachement dégonflé, donc voilà, ça l'a rassurée aussi. Et puis bon là il est encore bien enflé quand même. De toute façon j'ai de nouveau rendez-vous la semaine prochaine avec le chirurgien. Donc à mon avis il va refaire une ponction. Voilà, mais ça m'inquiète pas. J'ai commencé les antibios puisqu'il m'a remis sous antibio. Et puis voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Là donc oui, comme je vous disais, on a mangé les lasagnes. Ce matin j'avais rendez-vous avec Romy chez le médecin puisqu'elle avait des vaccins et tout, donc il fallait le faire. Donc on y est allé, elle a été mesurée, pesée, tout ça, elle est dans la courbe, pas de souci. Et puis moi aussi, je suis dans la courbe. Une fatigue. Et puis bah, après on est rentré, c'était l'heure de manger. Donc voilà. Et j'ai reçu un colis Guy de Marle, c'était pas du tout prévu. Mais en fait Guy de Marle, ils ont des petites nouveautés là qui vont sortir bientôt. Et en fait on a reçu en gros un échantillon quoi pour voir les nouveautés. J'ai hâte de voir le reste, vraiment, parce que là je peux rien vous montrer. Malheureusement, tant que c'est pas sorti, ça c'est comme les nouvelles collections à Guy de Marle, tant que c'est pas sorti, je peux pas vous montrer. Voilà, mais de toute façon, je vous en parlerai. Mais celui-ci là, j'ai trop hâte. Je vais le tester. Donc, je pense que vous l'aurez compris, c'est un moule, mais voilà, je vais le tester et je vous en reparlerai. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait gagner un lot Guy de Marle. Donc voilà, préparez-vous. On sait jamais, ça peut peut-être arriver. Incessamment sous peu. Sinon, Mademoiselle Romy va aller au dodo et moi je vais aller à Kiabi. Je vous explique pourquoi. Il faut que je ramène les jeans de Mademoiselle Aria. Puisque je lui ai pris des jeans en 4 ans, elle ne rentre pas dedans. Alors j'explique pas le truc. Vraiment, j'explique pas. T'es vraiment en train de sniffer un tampon, toi ? Tampon pour faire sur les dessins. Hein. Oui, j'ai précisé. Allez, sors de là. Sors de là. Allez, non, tu sors. Avec moi, ça va. Romy, allez, tu sors. Elle va râler. Mademoiselle Romy va aller au dodo parce qu'elle est fatiguée. Donc, je vous disais, je vais partir à Kiabi. Puisque, en fait, la semaine dernière, j'ai acheté des jeans à Aria. Je les ai pris en 4 ans. C'est les jeans qu'elle a actuellement. C'est sa taille. Mais elle ne rentre pas dedans. Vraiment pas. Je vais les retourner et je vais pas avoir besoin d'en racheter puisque il y a déjà des jeans en 5 ans. Donc voilà. Et puis surtout j'ai vu ma chère et tendre Manon avec un blazer vert magnifique et il est dispo dans mon Kiabi. Oh mon bébé. Toi aussi tu veux un blazer vert? Bah oui. T'as le. Tu pètes et tu sens mauvais. Hein. Pète. Depuis tout à l'heure, on se dit avec Renaud, ah ça y est, elle a fait caca. Mais non, en fait, elle pète. Je pense que le caca va pas tarder. Parce que si elle pète mauvais, généralement. Enfin bref, bon, oh, allez. Bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Oh bah tiens, il y a barbecue dehors.
Côte-côte, ouais, côte-côte. Côte-côte. Barbecue. Barbecue qui était présent avec Cocotte sur le retour de course. Tu les vois pas derrière? Il y a une abonnée qu'on a parlé. Ouais, ouais. Pas... Mais il y a les deux, hein. Il y a et Barbecue et Cocotte. Hein. Tu pues. Ouais, en fait, elle pète, elle sent mauvais. Enfin bref, bon allez, on est parti. Je prends. Au revoir, mon amour. Bonne sieste, mon cœur. Hein, avec les vaccins, à mon avis, ça va bien dormir. Donc ouais, je prends les jeans, j'oublie pas le ticket de caisse et on est parti. Toutes les commandes qui ont été passées hier et aujourd'hui sur le bouquin partiront en fin d'après-midi. Voilà, donc vous avez dû recevoir un mail avec les numéros de suivi. Oh merde, ouillasse, je viens de déchirer mon ticket de caisse. Donc, c'est pas grave. Ouais, ça part tout ce soir. Donc voilà, comme ça au moins, juste, je vérifie que ça soit le bon. Mais oui, c'est le bon. Ça part tout ce soir et ça arrivera assez rapidement à Mondial Relais. Généralement, il traîne pas trop. Ah, il y a un caca. Oh. Allez, je me casse. Oui, et sinon, je vous ai pas montré ma petite tenue, mais c'est très rapide. J'ai mis ma petite blouse là qui vient de chez Grand Malice avec ça. Hop. Petit perfecto, le même que le kaki, sauf que bah, c'est le rose. C'est un kaki que j'adore. Voilà, je l'adore en kaki, je l'adore en rose. Je le trouve très très beau. Hop, je l'avais pris en taille 42, mais alors, regardez sur Vinted vraiment, parce que des fois, on peut le retrouver et pas très cher. Et franchement, il est top, je l'adore. Je l'ai en jaune moutarde, en toutes les couleurs presque. Petit jean, et j'ai mis mes chaussures dorées de chez Cézanne. On est parti, qui habille, et après, je dois passer au garage pour... la voiture. Alors attendez, faut pas que je me trompe de voiture. On a un... En fait, comment on va mettre la voiture, la 5008 en vente. On a la voiture qui... je vais y arriver. Vous savez, ça met l'alerte des pneus qui sont pas gonflés alors qu'ils sont très bien gonflés. Mais en fait, je pense que les capteurs sont mal branchés. Donc il faut qu'ils me rebranchent les capteurs et puis après, ça ira mieux. C'est parti, let's go. Ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai fait tous mes envois là de colis. Je m'en suis occupée puisqu'il fallait que je fasse toutes les petites signatures, que je mette dans le papier de soie, que je mette tout dans les enveloppes, etc. Que je colle les bordereaux d'expédition. Donc voilà, tout est fait. Kiabi. Alors, Kiabi, j'ai trouvé des petites pépites. Alors, vous allez voir qu'il y a des hauts de... Les mêmes hauts. C'est la couleur qui change. J'ai adoré ces hauts. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer. De vous montrer ça convenablement. Donc, petit haut noir très simple. Et en fait, vous avez un petit col. Alors, attendez. Ouh là 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 là, c'est n'importe quoi. Vous avez un petit col, vous voyez, à paillettes. Et c'est un col V. Alors là, comme ça, c'est très transparent. Mais en fait, quand je l'ai essayé, j'avais un soutien-gorge noir. Et franchement, ça se voyait pas. Donc voilà, j'ai kiffé, je l'ai pris. En noir. En crème. Hop. Et je l'ai pris également en corail. Voilà, trop beau. Donc, je l'ai pris en L parce que le XL, il taille vraiment grand. Donc, méfiez-vous. Le M m'allait. Mais en fait, je préférais un petit peu plus loose, vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, j'y allais pour ça, principalement. Et j'ai bien fait d'y aller. Je vous explique pourquoi. Au départ, je m'étais dit, tu prends 46. Tu prends 46. Et la nana, elle a pris quoi? Du 42. Il fallait pas du 46. Encore toqué sur... Voilà. Donc, c'est un blazer qui ne se ferme pas. Bon, par contre, après, il faut avoir la place pour les manches. Enfin, pour les manches. Pour les bras et tout. Que ça soit pas serré, que ça ne boudine pas. Parce que sinon, c'est pas joli. J'essaie le 46. Là, je vois, je dis... bah non. Je vais rechercher une taille. Je prends un 44. Je réessaye. Je dis, non. Je dis, on va essayer le 42, mais j'y crois pas. Au cas où, j'avais gardé le 44. Et en fait, non, le 42, ça va. Donc, nickel, je suis trop contente. En sachant qu'il est à 29 euros, le blazer. Voilà, il est vraiment... il est parfait. Il est trop, trop beau. Je vous donnerai les références. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Que ce soit pour les t-shirts et également pour le blazer. Le blazer, il existe. De toute façon, toutes les années, Kiabi
ils ressortent à peu près des blazers de couleurs différentes. Donc là, il y avait beige crème, un petit peu noir, lilas. Il était magnifique. J'ai hésité, mais je me suis dit non. Il y avait un bleu aussi, bleu un peu comme ça là. Voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est une petite robe que je me suis trouvée. Et il y avait ce magnifique vert. Manon, je sais que tu vas passer par là. C'est à cause de toi que j'ai craqué. Mais ça, vous mettez un jean, donc un jean brune comme je peux avoir aujourd'hui. Vous mettez un petit haut noir et tout, tout simple. Bim, le blazer et ça envoie du lourd. Je vous dis, hein, ça envoie le pâté. Moi, j'adore. De toute façon, vous le savez, j'adore le vert. Donc voilà. Et pour terminer, je me suis pris une petite robe comme ceci, bleue avec des motifs comme ça. Vous avez des petits pompons sur le devant. J'ai deux. Je filme très très mal. Je suis désolée. Et elle arrive juste au-dessus du genou, donc elle est vraiment nickel et elle est très très belle. Celle-ci, elle était à 25 euros, pardon. Voilà. Donc je l'ai pris en L. Et les hauts pareil en L, mais je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. J'ai retrouvé des petits hauts pour Mademoiselle Romy que j'avais pas vu la dernière fois qu'il y avait pas. En fait, je suis pas allée dans le même qui habite, donc en fait j'ai trouvé des trucs qu'il y avait pas dans l'autre, donc je suis trop contente. Des petits hauts comme ça là, vous savez, le troisième est gratuit, donc j'en ai profité, j'en ai pris 6. Un avec des petites fleurs, manches courtes, hein. Un avec des rayures, un tout rose, hop, donc rayures, hop, des petites fraises, talam. Le blanc tout simple et le rouge tout simple. Voilà. J'ai pris également cet ensemble. Alors pas forcément pour mettre en ensemble, mais en fait j'ai craqué sur le haut avec les cœurs comme ça. Je trouve magnifique. Donc voilà, quand je l'ai vu, j'ai fait ok, je. Oh. Disons que comme j'avais pas trop craqué pour Romy, je me sentais moins coupable. Voilà. La dernière fois, je lui avais pris quoi? Un pull et une robe à Romy. Donc bon. Je lui ai pris ce petit pull aussi marqué Love dessus. J'ai pris ce petit t-shirt avec une fleur, trop beau, par contre je viens de voir, il y a une tache là, bon c'est pas grave, on va frotter, ce petit pull amour, hop regardez, avec des petites fleurs et c'est brodé amour, il est trop beau, et pour terminer, cette petite robe, franchement le motif est canon, vraiment canon, avec ces petits collants beige là. Ça va être trop beau. Et pour les filles, bon, je vous montre pas, j'ai pris des leggings courts et j'ai pris des t-shirts à manches courtes, genre unis. Ils les ont sortis. Moi, j'aime bien, c'est des basiques ça à avoir. Donc, j'aurais pris plein de couleurs, du rouge, du rose, du bleu, du jaune pétard, du blanc, du noir. Donc voilà, parfait. Ils étaient à 2 euros pièce, pardon. Donc ça valait grave le coup. Et je leur ai pris des leggings, des leggings courts, voilà. Donc ça aussi, c'est parfait quand elles vont à la Zumba ou quoi. Tu leur mets ça, un petit t-shirt basique et c'est très bien. Sinon, pendant que j'ai déposé la voiture au garage, le temps qu'ils me fassent les réglages, je suis allée à Lidl. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce que j'ai acheté à Lidl? Une personne. Du poulet gyro. Je l'adore, le poulet gyro de chez Lidl. J'en ai pris deux parce qu'il y avait une promo. En fait, oui, j'ai ouvert la porte, mon cœur. J'en ai pris deux puisqu'il y avait moins de 3 euros dès qu'on en prenait deux. Donc, j'en ai congelé un parce que la date, c'est jusqu'au 24. Donc, à mon avis, je ne l'aurais pas consommé d'ici là. Donc, j'en ai congelé un et j'en ai gardé un au frigo. Et puis, voilà, comme ça, on fera du poulet gyro. Nous, on adore le faire avec du riz et des haricots verts. Et en fait, je rajoute une cuillère à soupe de crème fraîche. Et c'est trop trop bon. Vraiment, c'est super bon. On adore ça à la maison. Donc voilà pour tout ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les filles vont aller à la Zumba dans pas longtemps. Il faut qu'elles aillent changer. Et moi, il faut que je termine mes envois là pour que ce soit déposé au Mondial Relais. Donc on va pas faire. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas montré. Regardez, j'ai trouvé un serre-tête vert. Je me fatigue. Ça va? Oui, vert, normal. En fait, j'adore mettre des serre-têtes. Alors, c'est des serre-têtes, mais on dirait des bandeaux. Et c'est ça qui est cool, parce que les bandeaux, ça glisse tout le temps. Mais le serre-tête, il tient en place. Et franchement, quand je l'ai vu, ce vert-là, j'adore. Voilà, 4 euros. Bon. Et quand je fais bien mes boucles et tout. Bon, là, c'est une catastrophe. Ils ont toutes. Demain, j'ai la coiffeuse qui vient me coiffer, donc ça va faire du bien. Je pense qu'on va couper un petit peu parce que en fait là je suis entre deux, c'est si je coupe là, c'est, vous voyez là ils sont bien, mais je pense que de les couper ça va leur donner un petit peu de boost, ça risque pas de leur faire de mal. On verra demain, de toute façon je vais réfléchir toute la nuit au boulot ce que je fais, si je coupe ou si je coupe pas, on verra.
Dis donc, t'as un problème toi? Coupe. Je coupe court. De doigts coupe. Court. Hein? Très oui. Court. Bah après c'est toi qui vas pas kiffer. Voilà, toi non plus. Bah, t'aimes pas les cheveux. Ah bah voilà. Donc, je risque pas de couper trop court, il aime pas. Il aime pas. Et sinon j'ai récidivé sur les petits muffins, mais cette fois-ci je les ai fait nature avec des pépites de chocolat dedans. Comment ils sont mes muffins? Super bon, moi j'ai... Mais j'en reviens. T'en as partout du chocolat. On a fait le repas avec Rominette. On a fait des jambons à la russe, du jambon à la russe pardon, avec des petits bonhommes. Et j'ai fait des perles tipiak. Voilà, ça ira très très bien pour ce soir. Moi je me suis emmené la même chose. Je vais juste me servir un petit peu de perles parce que j'en ai pas pris. Mais voilà, elle va être trop contente. Attention, réaction dans 2, 3, 2, 1. Pardon. Ah. C'est les bonhommes. Bonny bonhomme. Tu veux lequel toi? Moi je veux lui. Et toi Aria? Ok. Je vous ai pas raconté. Hier je prends ma petite gamelle et tout. Je pars. Je me mets dans la voiture. J'arrive. C'était quoi? J'étais à un quart d'heure parti déjà. J'appelle Renaud. Je dis. J'ai oublié ma sauce fromage blanc. Il me dit, ouais, elle était planquée derrière le sac. Bah ouais, ouais. Alors, c'est les légumes sont très bons, mais sans la sauce fromage blanc. Ah. Ça marche aussi avec moi. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Papa, vous avez vu? Papa, il craint les guillis. Non. 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 Mais tu défends papa toi. Maman elle lui fait juste des guillis. Bata, t'as pas fini. Allez, on rigole avec papa, on s'amuse. Oh mon dieu. Les perles tipiak sur le tapis. Ah bah oui, première cuillère. Roberto il va s'amuser. Oui donc je pars, 15 minutes de route et tout. J'appelle Renaud, je dis Renaud, j'ai oublié ma sauce fromage blanc. Elle me dit oui, elle est là. Donc j'avais oublié mon fromage blanc. Donc les légumes et tout sans fromage blanc, bah écoutez, c'est pas bien grave. Donc là, dans mon sac, Kabaya, il est top. Pour le boulot, il est trop cool. Donc j'ai ma trousse de tout le temps, j'ai des Doliprane, j'ai du Malox, etc., etc. dedans. J'ai ma gourde. J'ai pris du jambon à la russe et des perles, et j'ai pris un perle de lait et une compote. Voilà, donc ça sera très bien pour ce soir. Ma gourde, j'ai tout. J'ai un chargeur pour le boulot. Oui mon chat. Et puis voilà, et là je vais partir un petit peu en avance puisque je dois passer chez mes parents pour amener les doubles des clés. Puisque Soso, donc on a le double des clés de Soso. Et ils font le... comment ça s'appelle, l'état des lieux de leur appart de Lyon jeudi, donc on se verra pas, on se voit vendredi, donc en fait je dois lui amener avant. Voilà, elle se doute de rien vendredi, donc ça c'est trop cool, trop cool. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, on se retrouve demain matin pour la piscine de Cali, et le matin on a la coiffeuse qui vient pour nous coiffer toutes les quatre. Voilà, Renaud il veut pas se faire coiffer. Je refuse. À demain.